Chers téléspectateurs, je suis Randa Sadaka. 5 de pique, célèbre Shafi Aboud, peintre non figuratif libanais appartenant à la Nouvelle École de Paris, désignant les artistes qui se sont manifestés dans la ville lumière au début du XXe siècle. Je vous propose une immersion au cœur de l'œuvre d'un peintre, symbole du pont entre l'Orient et l'Occident et dont l'évolution sera qualifiée par le galeriste Claude Léman d'ancienne et moderne, païenne et sacrée. Né au Liban en 1926 et décédé à Paris en 2004, Shafi Aboud s'impose comme l'un des plus importants artistes libanais de la seconde moitié du XXe siècle. De culture libanaise moderniste, influencée par son enfance passée au Mont Liban, il est l'héritier de la Nahda, ce mouvement transversal de renaissance arabe que nous avons évoqué dans l'épisode précédent. Aboud suit des cours de peinture à l'Académie des Beaux-Arts créée par César Jmeyil, puis s'installe en 1947 à Paris. Il y admire la peinture de Pierre Bonnard ou de Nicolas de Staël et rejoint les ateliers de la Grande Chaumière pour y suivre notamment les cours de Fernand Léger. De la figuration libanaise à l'abstraction parisienne, le pinceau de Aboud ne connaît pas de limite. Son héritage plaide pour la modernité et l'entente arabo-occidentale. Le Pays chaud est une toile datant de 1970 que choisit de décrypter 5 de pique pour vous. La pièce appartient à la collection privée K, des initiales des deux amis et partenaires Abraham Karabajakian et Roger Akouri, qui dévoilent quelques-unes de leurs plus belles acquisitions au public dans l'espace K. Si l'on considère le titre de ce tableau, la première question à se poser est de se demander pourquoi le pays chaud et non pas un pays chaud. Mais de quel pays s'agit-il? Est-ce un havre de paix, un souvenir ou l'image d'un événement récent vécu dans le sud de la France où Aboud séjourne souvent à cette époque? Est-ce le Liban? Le bleu du ciel nous y conduit volontiers, conforté par l'aspect cartographique qui se dessine. Il pourrait aussi s'agir de l'Égypte ou de Chypre. Plusieurs tableaux de Aboud possèdent l'organisation qui se fait côtoyer une zone très travaillée et complexe à côté de grands aplats de couleurs. Pour ce naturaliste abstrait, comme l'a nommé Michel Ragon dans la revue Simez, penser, c'est fatalement peindre. Le point clé de cette œuvre reste sa composition avec une particularité, un vertige, un équilibre qui invite au basculement comme si une force centrifugeuse avait plaqué les éléments de narration au bord de la toile qu'il nous était proposé de la lire en hauteur, en largeur, dans un double mouvement revendiqué par le peintre. Le bas du tableau fait de l'artiste un mosaïste. L'harmonie des couleurs est saisissante. La végétation sans perspective laisse imaginer un oasis. Dans les toiles de ce peintre, le bleu n'est pas toujours celui du ciel ou de la mer. On frôle souvent la figuration. Il semble y avoir deux œuvres, deux histoires, chacune ayant son traitement pictural, sa palette de couleurs, mais son angle. Chose rare, on trouve des coulures dans les deux sens, ce qui prouve que Shafi Aboud n'a pas décidé que la toile se regarderait finalement mieux dans un sens ou dans l'autre. On pense à la peinture expressionniste de Joan Mitchell, mais aussi aux tapisseries de Wissa Wassaf. Le Liban est sûrement là, le sud aussi, les lumières éclaboussantes, comme les nommait l'artiste, avec toutes les contradictions et la complexité du rapport que Aboud entretenait avec ce pays. On pourrait presque trouver un nouveau titre qui serait « Ces pays chauds ». Découvrez cette toile poétique et de nombreux autres en visitant l'espace K. Sachez enfin que la dernière monographie parue sur Shafi Aboud a été publiée chez Skira en 2016 avec des textes de Pascal Le Torel. Retrouvez-moi la semaine prochaine, à la même heure, pour découvrir un nouvel épisode de 5 de pique, une ambitieuse coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban, hors des limites de notre quotidien.